Me voilà dans l'église du Béguinage à Saint-Trond, où nous enregistrons avec mon ensemble Anocte Temporis notre deuxième disque. Il s'agit d'un programme de musique française, quatre cantates de Louis-Nicolas Clérambault. Louis XIV le nomma surintendant de la musique particulière de sa favorite Madame de Maintenon. C'est un programme avec des pièces de chambre, des cantates qu'on peut considérer comme des opéras de poche. Des mini-opéras d'un quart d'heure, 20 minutes, qui sont très expressifs. Et dans ce programme, c'est le point culminant, est la cantate Pyramé et Thisbé. J'espère que ce disque sera très expressif. On est très peu, on n'est pas un grand orchestre, mais qu'il y a quand même dans ces quatre cantates vraiment une expressivité qui peut parler, une expressivité qu'on peut trouver dans un grand opéra, mais qu'on peut aussi trouver dans ces quatre petites cantates, des histoires où il y a du rigolo, du triste, la tragédie, il y a un peu de tout dans ces histoires. Vole, dit-elle, amour, viens dans l'obscurité. Donc pour ce projet, Anocte Temporis est constitué de 5 personnes, à côté de moi qui chante la partie de chant, et à côté de ça, on a à la flûte Anna Besson, on a au violon Emmanuel Reich, à la viole Myriam Rignol et Benjamin Allard au clavecin.